Salut, avant que la vidéo commence, je voulais vous rappeler que j'ai créé un Tipeee. Un Tipeee, c'est quoi? C'est en fait une page où vous regardez des vidéos gratuitement. C'est une manière de soutenir la chaîne. Et moi, de mon côté, ça va me servir à acheter du meilleur matériel pour les futures vidéos qui viendront. Il te suffit simplement d'aller sur ma page YouTube, de cliquer sur le petit lien et de regarder la vidéo de ton choix. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire et n'oubliez pas, activez la cloche. Bonne vidéo! Oh, il l'a enfin fait évoluer. Allez, on se prépare. Il a fait quoi là? Protection contre la résistance physique, ok. T'as fini avec ton mur lumière? Bah ok, ok. Tu fais mur lumière? Ok, je fais aiguisage. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Tu vas voir qui c'est qui a la plus grosse? On regarde qui a la plus grosse? Non parce que moi je vais te défoncer. J'espère qu'il va pas me one-shot non plus. Il m'a fait quand même un peu mal. Arrogance. Boum! C'est qui a la plus grosse? Mais qu'est-ce que tu parles? C'est toi le menu fretin. Arrogance! BAM! Je te trouve! Chapeautus! On continue! Le chapeautus est tout tremblant! Pourquoi à ton avis? Parce que je vais te défoncer la gueule! C'est tellement violent! Ce mec est arrogant! Je suis en train de le détruire avec l'attaque qui lui correspond le plus! Arrogance! Faut lui montrer par où ça passe, hein! Là, je suis en train de lui OS tous ses Pokémon avec un seul! Oh, Ponyta! Ponyta, type fée, psy! Oh. Arrogance! Dans ta gueule! Ah, bah alors, on a perdu, on s'est fait OS tous ces Pokémon par un seul pigeon. Oh, on la voit enfin de près. Alors je suis désolé, mais cette femme a un melon à la place du cerveau, hein. À la place de la tête tout court en fait. Oh putain, mais regardez ça, il a aucun respect pour les vestiges. Il avait un petit mouvement de lèvres. Travis, arrête s'il te plaît. Tu peux arrêter ça s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais malheureux? Tu vas essayer d'en prendre l'histoire de galère. Voilà, c'est pour ça. Vous le trouvez stylé, mais... Mais rentrez-lui tous dedans. Tu n'es pas digne de défi des arènes. Chez. C'est vraiment un tractopelle, là. Là derrière, c'est un tractopelle, c'est pas un éléphant, je suis désolé. Ah bah alors, Travis, on change d'expression. Ça, Travis, c'est de la surprise. Mélangé à de la colère, ainsi que... J'ai pas de mots. Bah c'est un poil, Paul. Oh putain, c'est ouf. Oui, ces créatures tenant une épée et un bouclier se démarquent clairement du reste. Est-ce que tu as remarqué autre chose à part? C'est comme sur les tapisseries. Exactement. Il y avait donc deux héros. C'est exactement pas ce que j'ai dit. Je t'avoir vécu à tes côtés. Quoi? Mais tu vas crever? Qu'est-ce que... Genre, je suis heureux d'avoir vécu à tes côtés. Détends-toi, hein. C'est juste des statues. Elles vont pas te manger, hein. T'as fini avec tes deux rappels. Bonsoir. Alors, moi, je propose de descendre, forcément. Hein. La dernière fois, on a explosé notre très cher champion d'arène. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Triste. Oh, on peut cliquer dessus. Corifei. Ah, Corifei, c'est la reine de fées. Oh, c'est des Pokémon, ça? Ils sont trop bizarres. Total, ils sont formidables. Alors, attendez, on va aller péter la gueule au cuistot. Lui, c'est vraiment perdu. Lui, par contre, il est littéralement perdu. Anthony, le cuisinier. Il va manger tellement chaud. En plus, il me laisse faire aiguisage, là, il est mort. Je vais lui faire passer l'envie de faire des gâteaux, moi, tu vas voir. Ah, non! Pas assez fait aiguisage. Éclat magique. Ouais, d'accord, ok. Ah, c'est ça, la théière qui est... C'est ça, le truc qui... Oh, ça. Là, par contre, j'aimerais bien savoir la description du Pokémon, parce que ça, c'est pas normal de faire ça. Moi aussi, je peux prendre Toilette, et je l'appelle Toilettor, et je lui dis... pratique pour s'asseoir. Enfin, genre, c'est de la merde. C'est de la merde. Faites pas ça. En vrai, arrogant... Pourquoi j'ai pas fait arrogance? Pff, ok, d'accord, c'est bon. What? Gris malin? Oh bah je l'ai OS. Oh, ils se battent à deux. Qu'est-ce qu'un cheminot fait ici? Les intrépides. Oh, dis-moi que j'ai mon... Ah non, pas du tout. Barba, popo, bah yes. Oh non, j'ai perdu. Je vais arrêter les grèves. N'empêche, la reine de type fée, je vais quand même lui massacrer sa gueule, en fait. C'est par là? Ah, yes. La ville féerique. Ici, Schtroumpf vive en harmonie avec les fées. Grand Schtroumpf. Où es-tu, Grand Schtroumpf? Grand Schtroumpf. Où est le Grand Schtroumpf? Il est là! Infirmière Joël, vous êtes très belle, ça ne changera pas. Bonjour mon petit, est-ce que tu veux une glace? Ouga ouga, je suis un Pokémon, bah toi, comprends... Complètement bizarre lui! C'est encore un artiste de malade! Moi aussi je pourrais être un Pokémon, je suis juste une espèce différente. Tu vois, c'est logique. Non, c'est pas logique! Non, je suis pas convaincu! C'est pas grave, t'es déjà bien aimable d'écouter un pauvre fou! Mais tu es taré, je confirme. Oh! Rosemary. Au moins Rosemary, je l'aime bien, putain, parce que... Travis, il me saoule. Il est fan de moi, Morpeko.
Pas vrai, Morpeko. Toi, là, t'es toujours là, toujours au même endroit. Je sais que tu me donnes toujours une Pokéball. Ah, ça y est, je me souviens ce que je voulais faire. Rosemary. Oh, elle est quand même déprimée un peu sur sa photo, hein. 960. Célébrité, populaire. C'est parti. On est prêt. Oh non, c'est vraiment elle. C'est l'autruche. Genre, elle a un nez, on le retourne, on pourrait faire un bol avec tellement il est énorme. C'est pas possible. Ouais, Sally, merci l'autruche. C'est vraiment une autruche, je suis désolé. Mais regardez sa vitesse de marche, c'est pas possible. Pourquoi c'est un dépotoir? Ah non, mais ok, je sais pourquoi. Ah, oh, on va faire une prestation? Je n'ai absolument pas lu le texte avant. Ah, bah si c'est ce genre de prestation, moi ça me va. Madame, je suis vraiment désolé, mais vous êtes pas tombé sur le bon dresseur. Nice, tu as perdu. Au suivant. Ah, pour lui faire plaisir. Ok, merci. Parce que moi j'ai eu peur que ça me nique mon truc, quoi. C'est la même dresseuse! Elle est revenue, Simone la dresseuse. Oh, ça l'a même pas tué. Bon, il est empoisonné. Ah, bah, t'aurais dû refaire la même attaque que tout à l'heure. Ça aurait été mieux. Parce que là, t'as merdé. T'as grave merdé. Yes. Bah, yes. Genre, il me laisse pas le temps de souffler ou quoi. J'ai pas le temps de sauter mon Pokémon. Oh, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure en petit. C'est le grand Schtroumpf. Il a évolué. Garde-voir. Garde-voir, j'ai quand même bien envie d'envoyer mon Lézargus, là. J'adore comment il arrive, hein. C'est un deltaplane le truc. Et elle c'est un parachute. Meilleure entrée en scène des Pokémon. Hop là, tu bouffes. Oh il a bien pris en plus. J'adore, il ferme les yeux quand il tire. Oh j'ai perdu. Bon c'est bon là, ça suffit maintenant, je peux combattre la championne là. Allons affronter la championne. Oh non mais elle va mettre 30 ans à marcher sur le terrain. J'aurais eu le temps de vieillir. Ah, très bien. Elle est déjà sur le terrain. Je trouve ça bien fait. Regardez, vous voyez, c'est une autruche. Ah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils lui ont fait prendre le temps d'arriver. Elle a 88 ans. Bon, ça va, c'est une dresseuse quand même qui a du courage. Elle a du cran. J'avoue, elle a du cran. On lui donne quoi comme surnom? La sorcière? L'enchantresse, la sorcière? En vrai, j'ai envie de la sorcière, mais je pense que c'est pas ça. Mais ça se trouve, c'est un brain total et c'est vraiment la sorcière. Bon, allez, l'enchantresse, allez. Bingo. Ouais, bon, ok. Bon, c'est logique. Et bam! Tu bouffes! Tu bouffes! Ah, il va me défoncer par contre là. Ah, le poison! Le poison! Oh! Ça a enlevé tout ça! Ah, voilà. Vas-y, mets-moi bas. Mets-moi bas en PV, mets-moi bas. Là, je commence à être assez bas en plus. Je vais attendre encore un coup. Ouais, mais l'étincelle, c'est à combien? 65? Ah! Vas-y, je continue. On va peut-être le paralyser. Ok, on va tenter un gigotage. Oh! Oh, c'est de la merde! Oh, c'est tellement de la merde! C'est juste du total brain. Non, mais là, faut qu'on m'explique. En fait, il fallait juste dire 16, purement pour pas la vexer. Ah ouais, le bullshit. Alors lui, il va pas aimer. Lui, il va pas aimer le coup de jus. Attends, mais je suis pas assez rapide. Oh! Alors là, mon gars. Mais j'arrive pas à attaquer! Tout a augmenté chez lui en fait. Bon, t'es mort. Ah, très bien, pas du tout. Coup de jus, tu bouffes! Tu bouffes! Ah non, merde, il recommence. Oh putain, je vais peut-être pas pouvoir tenir. Ah, désolé. C'est parti. Je crois bien que mon thé est prêt. Mais c'est un gâteau! Bam! Il est balèze. Putain, il est tellement grand! Oh la vache, elle a ouvert les yeux! La Pokéball, elle a failli la lâcher. Ah oui, c'est littéralement un gâteau. Je crois que si tu fais écrire en mage et tout, ça te banne pendant 20 secondes. Bon, ok, il va me défoncer. Ok, il m'a défoncé. C'est beaucoup trop fort, cette attaque. Cette attaque est beaucoup trop fort. Ouais, clairement, les spectateurs, ils en ont pris plein la gueule. Non. Genre, c'était sur un coup de tête. Alors, les Argus, attends. Je réfléchis, je regarde le manuel. Ténèbres contre fées. C'est bon, tu peux y aller. Et elle fait... Gros, tu fais quoi là? Tu m'as dit que ça marchait. Oh bah non. Oh bah ton truc il est redevenu tout petit. Goudronnage. Ça baisse sa vitesse. Bon, on est en train de lui défoncer son Pokémon en attendant. Et je monte en vitesse, hein. Et c'est une win. C'est une win. On les éclate tous un par un. Mon objectif c'est de tout one shot. Oh non, je la voulais quand elle lançait sa canne. Oh trop dommage, j'ai lâché la manette. Yes. Formidable. Bon, si j'allumais cet ordinateur. Ah, oh, vampi baiser, formidable, on est ravis. Non mais je vous le dis, son nez, vous savez quoi? Moi je le retourne, j'en fais une louche. Je me sers à manger avec. Eh bah c'est formidable. Narines doivent être immenses. Ah bah, clairement oui. Si elle inspire dans un ascenseur, tout le monde meurt.